never stop. My position is missionary. I finish on top and while you're relaxing, I take action. Guinness World Record. Bonjour à tous, c'est Scoot pour Mac 3 et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce dock que vous pourrez utiliser avec votre iPhone 5 ou votre iPod Touch 5G. C'est parti. Une fois que vous avez fait votre commande et que vous avez reçu votre produit, il va se présenter comme ça, dans une petite boîte. À la face avant, vous avez un petit iPhone 5 et au-dessus, vous avez une étiquette qui va vous dire quelle couleur sera le dock. Donc moi, j'ai choisi blanc, mais il existe aussi en version noire. Donc on va ouvrir tout de suite la petite boîte. Donc j'ai fait cette vidéo car beaucoup de personnes recherchaient des docks. Vu que l'iPhone 5 est sorti et que le connecteur a changé, je me suis dit... pourquoi pas faire une vidéo pour leur montrer où on peut acheter ce dock là. Donc il se présente comme ça dans un petit film, donc très pratique, bonne protection. Vous avez juste à retirer le film et voici le dock. Voici comment se présente le dock. À l'arrière, pour brancher votre câble Lightning, et au dessus vous avez un petit connecteur Lightning pour pouvoir poser votre appareil. Ensuite, vous pourrez voir à l'intérieur qu'il y a les mêmes speakers que l'iPhone 5. Donc comme ça, vous pourrez jouer votre musique tranquillement. Ensuite, pour utiliser votre dock, c'est très simple. Vous avez juste à placer votre iPhone 5 ou votre iPod Touch 5G sous le petit connecteur. Vous avez juste à appuyer un tout petit peu et il s'emboîte parfaitement. Vous pouvez voir qu'il tient à la verticale et un peu incliné, ce qui est parfait pour faire des vidéos ou pour simplement le faire tenir sous vos bureaux. Pas de souci. Ce qui est vraiment parfait, c'est que vous pourrez utiliser votre iPhone ayant une coque sur le dock sans même forcer. Vous avez juste à le placer, à appuyer et l'iPhone tient parfaitement. Une fois que vous avez posé votre iPhone 5 ou votre iPod Touch 5G, vous pourrez recharger votre iPhone ou tout simplement faire une synchronisation avec iTunes tout en branchant le câble à l'arrière du dock. Donc vous pourrez voir que l'iPhone est reconnu. Vous pourrez donc utiliser ce dock pour iPhone 5 ou iPod Touch 5G. Je vous rappelle qu'Apple n'en produit pas. Donc certains sites en fabriquent, mais ils sont pas vraiment de très bonne qualité. Celui-là est tout simplement parfait. Vous pourrez le retrouver sur le site de Mobile Fun. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions à me poser sur le prix, sur le matériel et tout ça, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Sur ce, je vous laisse. Allez, à bientôt.